5 janvier 2021. Bienvenue aux informations de la mi-journée. Voici nos titres. L'Assemblée nationale a adopté ce lundi 4 janvier 2021 la loi sur la biosécurité en République du Bénin. Le texte officialise désormais la manipulation et la commercialisation des organismes vivants modifiés et des produits dérivés résultant de la biotechnologie moderne. Les précisions dans cette édition. Vous suivrez également dans ce journal les explications du DGAPS sur la célérité de la création d'entreprises en ligne au Bénin. Et puis, entrée en vigueur le 1er janvier 2021, les nouveaux horaires de travail dans l'administration publique sont-ils respectés? Une équipe de la rédaction de ETélé a sillonné quelques services publics. Le constat est à suivre. Voilà pour le sommaire. Merci de nous préférer pour vous informer. L'Assemblée nationale a adopté ce lundi 4 janvier 2021 la loi sur la biosécurité en République du Bénin. Le texte officialise désormais la manipulation et la commercialisation des organismes vivants modifiés et des produits dérivés résultant de la biotechnologie moderne. Les précisions dans ce commentaire de Stelia Padono. La loi 2021-01 sur la biosécurité, adoptée ce lundi 4 janvier 2021, comporte 98 articles et est répartie en 8 chapitres. Elle vise à permettre au Bénin de se mettre à l'abri des risques biotechnologiques liés à l'utilisation de la biotechnologie moderne et aux utilisations illicites des organismes vivants modifiés et produits dérivés. Elle s'applique à la mise au point de l'expérimentation, la production, la dissémination, le stockage, la destruction ou l'élimination, l'importation, l'exportation, le transport, le mouvement transfrontalier, le transit de tout OVM et produits dérivés. À noter qu'elle ne s'applique pas aux produits pharmaceutiques issus d'OVM. Le texte fixe les règles de protection en matière de transfert, de manipulation et d'utilisation des organismes vivants modifiés et produits dérivés résultant de la biotechnologie moderne. La loi crée une autorité nationale de biosécurité dénommée Conseil national de biosécurité. Il a pour mission de veiller à l'application des règles d'évaluation, de gestion, d'information, de sensibilisation relative aux risques inhérents à la mise au point de l'utilisation, à la dissémination et au mouvement transfrontalier des OVM et produits dérivés susceptibles d'avoir des effets néfastes sur l'environnement, la santé humaine et animale qui affectent la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité biologique. Au terme de cette loi, toute activité d'importation ou d'exportation d'un OVM est soumise à la procédure d'accord préalable du Conseil national de biosécurité après approbation du dossier technique par le comité scientifique. Le test est assorti de dispositions pénales condamnant à de lourdes peines d'emprisonnement et à de fortes amendes tout cas de violation de la loi. Il est à préciser que la loi vient combler un vide, celui créé depuis l'expiration en 2013 de deux moratoires de 5 ans, de 2002 à 2013, relatifs au protocole de Carte-Genat sur la prévention des risques biotechnologiques liés à la Convention sur la diversité biologique ratifiée par le Bénin le 2 mars 2013. Le 2 mars. La conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement a indiqué fin novembre 2020 que le Bénin est le premier pays au monde où la création d'entreprises est la plus rapide. Une performance qui est le fruit des réformes engagées par le président Patrice Talon et son gouvernement depuis 2016. On suit les explications du directeur général de l'Agence de promotion des investissements et exportations APIEX. Nous nous ressentons au niveau de l'APIEX, au niveau des équipes de l'APIEX. Nous ressentons une certaine fierté d'avoir été désigné comme le pays qui agit avec le plus de célérité dans la création d'entreprises. Mais cela, ce résultat n'épouse pas tous les objectifs que nous nous sommes fixés. Notre objectif, c'est de faire en sorte que les investisseurs considèrent que les efforts du gouvernement pour
améliorer l'environnement des affaires, leur permettre de s'assurer qu'il est aisé de venir au Bénin, il est intéressant de venir au Bénin, créer son entreprise, investir dans ce pays pour créer de la valeur et embaucher le plus de Béninois possible. C'est nous, c'est notre objectif. Donc le gouvernement, lui, s'est engagé, il a fait sa part en dotant le pays d'infrastructures de numérique. Nous sommes engouffrés en fait dans cette brèche et nous avons imaginé une plateforme qui nous permet en fait de pouvoir revoir l'ensemble des procédures. On les a revisitées chacun, on a éliminé les procédures qui étaient un peu trop lourdes. Nous avons réorganisé le dispositif qui permet d'instruire les dossiers de demande et nous avons mis en place un call center. Et c'est parce que nous avons mis en place ce dispositif, un, revisiter l'ensemble des procédures, deux, regrouper l'ensemble des services de l'État qui concourent à la création d'entreprises sur un même lieu, et trois, la mise en place d'un système, un dispositif interactif entre les créateurs d'entreprises et l'agence. Ce dispositif a permis de mettre en place un système qui fait que en 3 heures maximum, vous avez créé votre activité et vous détenez l'ensemble des certificats qui vous permettent d'exercer. Vous avez la Caisse nationale de sécurité sociale que la plateforme directement l'employeur s'enregistre. Vous pouvez disposer de la carte d'importateur, donc vous n'avez plus besoin de vous déplacer au niveau du ministère du Commerce. Vous l'avez également dans ce délai de 3 heures. Vous avez votre registre du commerce, vous avez votre carte de commerçant. Donc vous avez l'ensemble de ces certificats en moins de 3 heures qui vous sont délivrés. Et donc ce sont tous ces dispositifs, la réactivité du système, le fait que le système soit simple à utiliser, qui ont conduit sans doute cet économiste à considérer que le Bénin, comparativement à d'autres pays dans le monde, est le pays où les dispositifs mis en place pour créer des entreprises sont les plus rapides. Les propos recueillis par Grâce Avaligbé et Semiat Yesoufou ont poursuivi cette édition. Les apprenants ont repris le chemin des classes ce lundi 4 janvier 2021. Après une courte période de repos, les activités pédagogiques reprennent ainsi au grand bonheur des acteurs du système éducatif. Reportage Mathieu Bocor, Sylvain Aïdetourou. Collège d'enseignement général d'Antokpa ce lundi 4 janvier 2021, premier jour de classe, juste après les congés de fêtes de fin d'année. Vous êtes venu dans la maison, vous l'avez constaté de visu. Nos apprenants sont dans leurs classes respectives avec leurs enseignants. Depuis 6h30, le sensora est à l'œuvre. Je suis venu les appuyer pour constater la présence des enseignants qui doivent accueillir les apprenants dans les classes. Très matinal, élèves, enseignants et responsables d'établissement ont tous répondu présents pour reprendre les activités académiques conformément au calendrier scolaire. Visiblement, les élèves sont toujours dans l'euphorie des fêtes. Non, ce n'est pas facile pour moi de reprendre le coup. Je suis réveillée un peu difficilement. Puisque d'habitude, je suis habituée à me réveiller vers 7 heures. Donc, comme j'ai cours, je me réveille à 6h30. C'était un peu difficile de se réveiller, de faire comme d'habitude, de préparer tout. Mais comme c'est la rentrée, on n'a pas le choix. On n'a pas été surpris par la reprise, puisque on connaissait d'avance le jour de la reprise. Mais vous savez, les jours coulent très vite. Et compte tenu des multiples occupations, on était content au départ, le premier jour des congés. Mais le temps passant si vite, on a été rattrapé par les tâches. Et personnellement, je dois vous dire que je paraissais presque triste de reprendre. Et parce qu'il y a des tâches qui n'étaient pas achevées avant que le jour fatidique nous annonce. Les apprenants estiment toujours être sous le coup de la fatigue, un argument non soutenu par la directrice. Les apprenants pensent qu'ils sont fatigués. Ce n'est pas juste de penser ainsi. Le 1er janvier, c'est depuis vendredi dernier. Et ils ont eu au moins 72 heures de repos. Un apprenant doit savoir qu'il ne doit pas abuser des choses, même si c'est la fête. On dit que l'abus en toute chose nuit.
Donc, ils doivent déjà avoir cela dans leur mental. Et surtout qu'ils sont apprenants, ils doivent savoir que le 4, ils retournent à l'école, ils reprennent le chemin de l'école. Donc, s'organiser pour avoir la forme et pouvoir reprendre les activités pédagogiques comme cela se doit. Parce qu'un examen ne se prépare pas le dernier jour. Les apprenants sont donc partagés entre l'euphorie des fêtes et la reprise des activités académiques. Même si le choix n'est pas facile, ces élèves n'ont plus d'autre recours, se conformer aux exigences de l'administration afin de mieux faire face au chronogramme scolaire qui s'annonce très chargé. Donc on doit se battre pour réussir à l'école. On ne vient pas à l'école pour échouer. On vient à l'école pour accumuler des diplômes. Et après ces diplômes-là reçus, on doit les faire valoir. Il n'y a pas de « je suis allé à l'école, j'ai le diplôme, je deviens chômeur ». Non, l'école n'a pas pour mission de former des chômeurs. L'école est pour construire, pour bâtir l'homme, pour donner l'instruction, pour vous élever, pour faire de vous un citoyen capable de travailler au développement de sa nation. Et c'est cela, les réformes. Les nouveaux horaires de travail dans l'administration publique entrés en vigueur depuis le 1er janvier 2021 sont-ils respectés? Une équipe de la rédaction a sillonné quelques administrations publiques. On suit le constat fait ce lundi 4 janvier 2021 par Karine Adeniyi et Sylvain Aïdotoro. Habituellement, on restait jusqu'à 18h30, mais les gouvernants ont décidé que désormais on sorte à 17h30. Nous sortons comme tout bon fonctionnaire qui a rempli sa journée. Ainsi en a décidé le Conseil des ministres du 9 décembre 2020. L'administration publique fonctionne désormais suivant les nouveaux horaires de travail. Selon le nouveau calendrier, le travail démarre les matins à 8h et prend fin à 17h30 avec une pause de 12h30 à 14h. Ce réaménagement permettra d'harmoniser les horaires de l'administration béninoise à celui des pays de la sous-région, mais favorisera également une meilleure vie de famille pour les travailleurs. Un tour dans quelques administrations, notamment au ministère du Travail et de la Fonction publique, ce lundi 4 janvier 2021, et le constat est là. Tous les agents sont présents à leur poste à 14h. Des cahiers de présence auxquels nous avons eu accès témoignent de la rigueur pour l'atteinte des objectifs. C'est une nouvelle expérience. On va s'adapter, on va s'habituer. Je ne sais pas comment les autres ont fait, se sont débrouillés. Mais nous autres, nous avons amené nos nourritures au bureau. Et à 12h30, quand on a arrêté de travailler, on a mangé et puis on s'est reposé un peu. L'objectif ici était d'avoir une marge de manœuvre par rapport aux heures de sortie des uns et des autres. Parce que nous avions une particularité, on avait 2h30 de pause. Alors qu'aucun pays ne fait autant de longueur de pause. Donc nous avons essayé de nous mettre dans la grande masse. Les agents de l'État, en réduisant la longueur de l'amplitude horaire, ça leur permet de gagner sur le plan sanitaire. Donc vous voyez, l'État qui subventionne ces agents de l'État va gagner. Et les agents de l'État aussi vont gagner. L'étude a démontré que par an, en termes d'intérêt cumulé, l'État peut faire jusqu'à 26 milliards de bénéfices sur l'utilisation de l'énergie électrique et autres. Pour s'assurer de la présence effective des agents à leur poste avec ces nouveaux horaires de travail, des mesures ont été prises par les responsables du ministère. Les matins, 8h, tous les agents du ministère doivent émerger dans ce que nous appelons les registres de présence. Et les responsables hiérarchiques sont chargés de fermer ces cahiers les matins à 8h et quart au plus tard. Les soirs à 14h, tous les agents doivent encore émerger et prouver leur présence à 14h. Et les responsables sont chargés de contrôler cela et de fermer le cahier. Nous sommes là, nous allons les sensibiliser afin que tout le monde puisse se mettre au pas. Et on fera le point de l'expérience après. Il n'y a pas de difficulté pour ça. Par contre, au ministère des Affaires sociales et de la microfinance, certains agents peinent à se conformer à la nouvelle dynamique, même si la majorité a compris l'importance de ce réaménagement du quota horaire.
On avait une vieille manière, une ancienne manière de faire. Il suffit seulement d'être attentif aux heures, d'avoir l'œil sur son réveil ou bien sa montre et de constater qu'il est 12h30, il faut lever le pied, il faut décélérer, se reposer un peu, reprendre à 14h. Ça va prendre peut-être quelques jours, quelques semaines pour qu'on puisse s'adapter à cela. Donc oui, à partir de 14h, certains ont compris déjà, mais d'autres n'étaient pas encore exactement dans la dynamique. Et quand on parle de changement, c'est une œuvre de longue haleine. En fait, le corps doit s'habituer progressivement à ce nouveau rythme. Dans le fond, c'est peut-être l'heure de repos qui a été un peu diminuée, sinon en réalité, le cadre de l'administration ne connaît pas d'heure. Un ouf de soulagement pour ces agents de l'administration publique qui, déjà à 17h30, conformément aux nouveaux horaires de travail, regagnent leur domicile après une journée de du labeur. La sortie à 17h30, je peux dire que cela permettra de retrouver la famille la journée, ce qui n'était pas le cas. Donc je rentre la journée, si j'ai d'autres occupations à faire, je peux le faire. Et c'est la toute première sortie, c'est comme si on est sorti avant l'heure, c'est l'impression que j'ai. C'est pas mal, c'est notre première sortie pour les horaires. Bon, on va voir, mais c'est une bonne chose quand même. Des sanctions sont prévues pour tout agent récidiviste. Lorsque vous devez venir à 8h et vous venez à 8h05, 8h10 ou 8h30, ça veut dire que vous êtes en retard. Si vous êtes en retard, il y a des sanctions qui sont prévues. Si vous devez rentrer à 17h30 et vous rentrez plus tôt, ça veut dire que vous êtes en marge. Le statut général de la fonction publique est clair sur les retards. Lorsque vous faites deux retards dans une même semaine, on vous flanque une demande d'explication. Et lorsque la justification n'est pas convaincante, vous endossez les responsabilités. Il faut préciser que ce réaménagement, qui intervient à la suite d'une étude initiée par le gouvernement, ne concerne ni le secteur privé, ni les établissements d'enseignement qui restent libres d'organiser leurs horaires de travail tout en respectant la durée légale de travail. Un dernier élément pour mettre fin à ce journal de la mi-journée. Cérémonie de distinction de 3 collaborateurs du personnel de votre chaîne de télévision E-Télé. Des agents qui se sont illustrés positivement par leur détermination au travail durant l'année 2020 ont reçu les félicitations et encouragements du directeur général de la télévision. Compte rendu, Aziz Adjamou, Paul Estessa aussi. Une séance à bâton rompu, journaliste, cadreur, animateurs, techniciens de son, éditeurs de votre chaîne de télévision E-Télé font tout d'abord le bilan de l'année écoulée aux côtés du personnel administratif. C'est aussi l'occasion de faire des projections pour la nouvelle année. Des acquis enregistrés en 2020 certes, et tout ceci grâce au mérite et à la bravo de ces professionnels réunis à cette séance bilan aux côtés de leur directeur. Moment de partage, mais aussi de reconnaissance de mérite des collaborateurs qui se sont illustrés par leur talent et abnégation au travail. Le comité de direction a essayé d'apprécier un peu le travail. J'avoue que parmi vous, il y en a qui font leur travail. J'ai vu passer une année avec des gens qui ont donné un peu de meilleur d'eux-mêmes. C'est dans la foulée, je pense qu'on a remarqué, il y en a qui ont fait ça avec beaucoup plus d'enthousiasme. L'enthousiasme au travail. L'essentiel, c'est ce que vous façonnez, comme je l'ai dit, ça vous suit toujours. Donc, si que nous parlons d'enthousiasme au travail, Hugues, lui et Bouchari, fait plaisir d'avoir des collaborateurs qui travaillent naturellement, qui sont heureux de travailler. C'est l'exemple de la motivation, du travail bien fait, du goût, de la disponibilité permanente. Stan, c'est quelqu'un que énigmatique. C'est franchement, comme je le disais sur Abiola, il travaille, il aime travailler. Demander à Stan de gérer toute l'animation de la semaine, je pense qu'il doit être trop content. Et il le fait encore avec beaucoup de résultats. Une distinction qui encourage le travail bien fait, fruit de la rigueur et du suivi de son premier responsable, le porte-parole des récipiendaires promet maintenir le cap au nom de ses collègues pour d'autres défis plus grands. D'abord, rendre grâce à Dieu pour cette nouvelle année. Et vous remercier en tant que le premier responsable de la maison pour cette initiative qui vise quand même à nous encourager davantage
En même temps que cela reste un énorme défi pour chacun de nous, parce que nous avons désormais le mérite de maintenir cette flamme-là et de travailler davantage à la garder allumée. Donc merci beaucoup pour cette initiative. Nous voudrions aussi remercier tout votre staff. Je voudrais remercier le sous-directeur, M. François-Xavier Noumont, et tous les autres dans la hiérarchie qui nous font confiance et qui nous aident chaque jour à ne pas faire dans ce que nous faisons. Je voudrais aussi dire merci à tous les collègues qui nous font des remarques, des observations à chaque fois qu'on descend du plateau. Monsieur le directeur, nous ne vous ferons pas honte. Nous allons travailler à vous honorer. Merci. Après le confort, le réconfort, dit-on, cette séance s'est achevée par l'ouverture de champagne qui marque le côté festif de la cérémonie. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. La prochaine édition du journal présenté, c'est 19h30. Ne bougez pas tout de suite après moi, 13h30, ce sera la rediffusion de la chronique du soir du consultant politique Agapit Napoléon Maforican, 14h, la rediffusion de votre plateau, le duel. 19h, le grand soir avec Romuald Ngoui. ETélé, la chaîne de l'excellence que vous pouvez également retrouver sur nos différentes plateformes digitales. www.etélébénin.com, sur YouTube, Facebook. Tapez tout simplement dans la barre de recherche ETélé Bénin. Merci pour votre fidélité. À bientôt.